Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Damonrix. Comment vous allez les gens? Moi ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un serveur sur un serveur dédié Minecraft. Alors, vous devez avoir un serveur dédié sous Windows. Moi, le tuto, je le fais sous Windows. Alors déjà, ce que vous allez faire, vous allez télécharger le fichier que je vous ai donné, Minecraft serveur. Vous allez extraire sur votre bureau. Après, nous allons créer un fichier que vous allez appeler par exemple Minecraft serveur. Imaginez. On va l'ouvrir. On va déplacer le fichier que je vous ai donné dans Minecraft serveur. Vous allez exécuter ce fichier. Alors, pour l'exécuter, il va falloir que vous ayez Java. Je vous mettrai le lien dans la description. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on exécute. Et voilà, vous voyez que ça, que le serveur y démarre. C'est vraiment hyper rapide et c'est vraiment hyper simple. Ça prépare la map. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça, ça prépare le serveur. Je vais vous montrer qu'il est fonctionnel. Voilà, c'est bon, ça marche. Je vais juste mettre serveur properties. Voilà, je vais le remplacer vu que j'avais déjà changé les propriétés du serveur. Je vais le redémarrer. Voilà. Bon, allez, on se retrouve directement dans Minecraft. Alors, on se retrouve sur Minecraft. On va aller dans le multiplayer. Vous ajoutez l'IP de la machine dans votre serveur. Enfin, je pense que vous savez comment faire. Et voilà, on va se connecter au serveur. Alors, je précise que pour changer le nombre de slots, par exemple, ici, ça se fait dans serveur.properties. Allez, on se connecte. Et vous voyez, tout est bien fonctionnel. Voilà. Bref, j'espère que ce petit tutoriel super simple vous aura plu. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous subscribe, à aimer la vidéo. Allez, à plus tout le monde, c'était Davenrix.